Valeur de l'unité.
sera multiplié par 1. Mais vous allez me dire, mais ça sert à rien. Autant garder la même valeur. Bah oui, 4 fois 1, ça fait 4. Autant dire directement 4. Non, non, c'est important. C'est très important de dire que l'unité a un poids de 1. Puisque bah, la dizaine, par exemple, elle a un poids de 10. Quand vous allez jusqu'à 16, par exemple, le chiffre 16, toujours dans les décimales, hein, on est toujours dans le cadre de l'humain.
commencé tout à l'heure parce que c'était dans mon sens, mais voilà, on commence toujours à votre droite. Et on... Oh là 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 là, attendez, je dis des bêtises. Non, c'est ça. On commence toujours à votre droite. Ouais, c'est ça. À votre droite, pas un chiffre. Voilà, vous le lisez de gauche à droite. Bah là, c'est pareil. Hein. On commence de gauche à droite. Donc, 1100. Eh bien... du coup, oui, on le lit comme ça, mais du coup, l'unité elle se trouve tout à droite, donc le bit de point 1 se trouve tout à droite. Pour ce chiffre là, eh bien, vous regardez le poids de chaque bit, donc là nous avons 1, 2, 4, 8, 16, n'est-ce pas? Et vous multipliez les valeurs par leur poids, donc 0 fois 1, 0, 0 fois 2. 1 fois 2, pardon, parce qu'il est levé. Donc 1 fois 2, 2. 0 fois 4, 0. 0 fois 8, 0. Et 1 fois 16, 16. Donc nous avons 16 plus 2. 16 plus 2, ça fait 18. Donc ce chiffre-là est égal à 18. Bon. Pour l'amusement, celui-là, c'est le chiffre 4. Puisque ici, nous avons un poids. 1, 2, 4, 8, 16, mais ils sont tous à 0, sauf celui-là, donc 0 fois 1, 0, 0 fois 2, 0, 1 fois 4, 4, 0 fois 8, 0, et 0 fois 16, 0, celui-là par exemple, eh bien, c'est 1 fois 1, 1, 0 fois tout ça, hop, 0, et 1 fois 16, 16, donc 16 plus 1, ça fait 17. Ça, c'est 17 en binaire. Quand je fais ça avec mes doigts, en fait, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà. C'est ce chiffre-là. 1, 0, 0, 0, 1. Lui, par exemple, c'est 0, 1, 1, 0, 1. Ou on peut juste réduire ce chiffre à 1, 1, 0, 1, puisque lui, il est en 0. Par exemple, pour le chiffre 100, vous n'allez pas mettre les 0 qui sont derrière. Vous écrivez 100. Vous n'écrivez pas 0, 0, 0. 1, 0, 0 pour le chiffre 100 en décimale. Et bien là en binaire c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le 0 qui sont tout derrière. Donc là, 1, 0, 0, 1. Et celui-là c'est le chiffre, on avait dit quoi tout à l'heure? 1 fois 1, 1, 0 fois 2, 0, 0 fois 4, 0, 1 fois 8, 8, 8 plus 1, ça fait 9, ça c'est le chiffre 9. Celui-là, 0, 0, 0, 1, 1, 1 fois 1, 1, 1 fois 2, 2, donc 2 plus 1, ça fait 3. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous comprenez? Si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires. Si l'explication n'est pas claire, je tâcherai de faire une vidéo dédiée à l'explication du binaire, mais sur papier. Je pense que ça peut être très, beaucoup plus intéressant. Ah, ça c'est mon ventre. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fini.